Elliott quitte l'Institut Auguste Armand. Comment cela arrive? Nicolas Anselmo, Odoubla, Hortense et Elliott font la connaissance d'un monsieur, un peu âgé, qui dîne seul et va les chambouler. À la fin de leur conversation, cet homme leur dit combien il est important de profiter des bons moments de la vie. Elliott a un déclic. Quand il comprend que Greg, Michael Mittelstadt, lui manque plus que ce qu'il pensait, il décide de le rejoindre à Tokyo. Comment validera-t-il son cursus s'il s'en va? Tout l'enjeu pour Elliott est de négocier son départ sans compromettre son diplôme. Tessier, Emmanuel Baroche, ne va évidemment pas lui faciliter les choses. Je ne peux pas dévoiler comment ça va se passer. Ce que je peux affirmer, en revanche, c'est que je ne pars pas définitivement. Ce n'est qu'un break. Pourquoi ce départ alors? Il fallait que je prenne un peu l'air, que j'aie du temps pour moi, que je me replonge dans la danse, le cinéma. J'en ai parlé avec la production. On s'est mis d'accord pour une pause. Quand on choisit de faire ce métier, c'est pour jouer des rôles différents, arpenter d'autres époques, varier les genres. Cela fait 2 ans et demi que je joue Elliott. J'ai besoin de me confronter à d'autres univers. Lassé de ce personnage? Généralement, je me lasse assez vite mais étonnamment pas d'Elliott, j'ai juste besoin de bouger. J'ai 24 ans, si est-il le bon moment? J'ai énormément travaillé depuis que je suis arrivé sur ITC. J'ai peu vu ma famille et mes amis. Il faut penser un peu à soi. Sur les réseaux, vous êtes souvent questionné sur votre sexualité comme si vous étiez devenu un porte-drapeau à travers Elliott, personnage non-binaire. Qu'est-ce que cela vous inspire? D'abord, si est-il un rôle de composition. Je ne suis pas Elliott. Je n'aime pas évoquer ma vie privée ni ma sexualité. Je ne vois pas l'intérêt d'en parler. Je ne veux pas être enfermé dans une case. Ce qui se passe dans mon lit ne regarde que moi. Je ne veux pas être le porte-drapeau de quelque cause que ce soit. Je prône la différence, le respect, l'amour et la tolérance. Si ce départ n'est pas définitif, peut-on imaginer assister au mariage d'Elliott et Greg pour clore la saison? Je ne peux pas répondre. Tout n'est pas écrit.